Quel est celui que l'on prend pour moi ? Disait Aragon. Voyons cela maintenant. Que serais-je sans toi, qui vins à ma rencontre ? Que serais-je sans toi, qu'un cœur au bois dormant ? Il n'y a pas d'amour qui ne soit à douleur. Il n'y a pas d'amour dont on ne soit meurtri. Il n'y a pas d'amour dont on ne soit flétri. Et pas plus que de toi, l'amour de la patrie. Il n'y a pas d'amour qui ne vive de pleurs. Il n'y a pas d'amour heureux. Peu d'écrivains ont eu une vie aussi mêlée à l'histoire que Louis Aragon. À l'occasion du centenaire de sa naissance, voici un documentaire qui a été réalisé entièrement à partir des mots du poète. Rien que ses mots à lui, ceux des chansons, des interviews, des prises de parole dans les meetings, des articles, des romans, des poèmes. Comme si l'homme se parlait dans un miroir, avec ou sans masque. Le film « La vie est à nous » a été commandé par le Parti communiste pour la campagne électorale de 1936. C'est un hymne au Front populaire et à la solidarité des travailleurs. Louis Aragon, alors membre du parti, a lui-même choisi son réalisateur, Jean Renoir. Fixer la pensée avec des mots, mais naturel comme respirer. Si je ne le fais pas, je meurs. J'asphyxie. Ne te regarde pas comme ça dans la glace. Reste un moment avec nous. Je n'ai jamais aimé mon physique. Aussi ai-je toujours eu des plaisirs de mes photographies, et pis encore, des miroirs par hasard rencontrés. Pour le moral, c'est plus facile. On peut se raconter des histoires. Longtemps ce siècle face à face, et n'est-ce pas dans mes larmes qu'il a lu ses larmes, dites-moi. Je n'ai jamais dissocié le fer du rêver. Mon chant a pris l'événement à la gueule. Je ne crois pas que l'on puisse avoir une idée très nette et très juste de ce que je suis devenu, de ce que j'ai écrit par la suite, sans connaître le jeune homme que j'ai été, d'où je suis venu, et ce que j'ai appris alors, dont des reflets très grands demeurent dans ce que j'écris encore aujourd'hui. C'est ma vie, il faut bien que je la reconnaisse. C'est ma vie, et c'est moi cette chanson faussée. Un beau soir, l'avenir s'appelle le passé. C'est alors qu'on se tourne et qu'on voit sa jeunesse. Maintenant que la jeunesse s'éteint au carreau bleu, maintenant que la jeunesse machinale m'a trahi, maintenant que la jeunesse t'en souviens-tu, souviens-t'en, maintenant que la jeunesse chante à d'autres le printemps, maintenant que la jeunesse détourne ses yeux.
le masque que je mets, moins qu'il me cache, exprime un sentiment trop fort pour le visage nu. Il est l'impudeur où se dissimule la passion. Je suis masqué pour dire la vérité. Ce nom a été inventé pour moi à ma naissance, par mon père. Je ne puis le considérer comme un nom de famille, mais il m'appartient en propre et par jugement. En réalité, la première année de ma vie, ou plus exactement mes 13 premiers mois, j'ai été mis en nourrice en Bretagne. Il n'y a pas à cela de mystère. J'étais un poids mort pour ma famille parce que je n'étais pas un enfant légal. Et que même, je n'étais pas supposé être l'enfant de la famille qui était la mienne. Ma mère passait pour ma sœur. Pauvre gosse dans le miroir. Tu ne me ressembles plus. Pourtant, tu me ressembles. C'est moi qui parle. Tu n'as plus ta voix d'enfant. Tu n'es plus qu'un souvenir d'homme plus tard. 50 ans plus tard. Ça déforme les mots. Et quand je crois me regarder, je m'imagine. Je crois me souvenir, je m'invente. Ma biographie, elle est dans mes poèmes. Et à qui sait lire autrement clair que dans les romans. J'avais donc officiellement 3 sœurs. En réalité, ma mère et mes 2 tantes. Marguerite, Marie et Madeleine. Il faut bien que les sœurs aillent par 3. Aux vitres, j'écris quand il fait bien froid, avec un doigt leur nom dans mon haleine. Pour le bal de Saint-Cyr, elles ont mis 3 des plus belles robes de peau d'âne. Celle couleur de la route océane, celle de vent, celle d'astronomie. Comment dormir, à moins qu'elles ne viennent me faire voir leurs souliers de satin, qui vont danser, danser jusqu'au matin, pas des patineurs et valses de Vienne. Marguerite, Madeleine et Marie. La première est triste. À quoi songe-t-elle ? La seconde est belle avec ses dentelles. À tout ce qu'on dit, la troisième rit. Ma mémoire véritable commence à l'exposition de 1900 avec le trottoir roulant et le théâtre d'enfants où j'ai attrapé la rougeole. Mais enfin, cette part de la mémoire qui reflète non les choses extérieures mais la vie intérieure de l'être humain, la vie de l'esprit, la réflexion à soi-même adressée, je ne retrouve trace qu'à partir du moment où j'écris. Cela doit commencer en 1901-1902. Peu à peu, je me mis à me persuader que l'écriture n'avait pas du tout été inventée pour ce que les grandes personnes prétendaient, sans quoi parler suffit. Mais pour fixer, bien plutôt que des idées pour les autres, des choses pour soi, des secrets. Et même plus que pour les fixer, pour les susciter, pour provoquer des secrets à écrire. Venez vite, Victor, Marie, Alfred, René, criait Robert de Noisson. Qu'est-ce qu'il y a de Victor ? Il y a que nous partons de la rue Montorgueil, dit Robert. Pour où, dit Marie ? Pour où ? Oui, pour où, dit René. Pour le trou de la rue Pierre-le-Grand, Saint-Pétersbourg, dit Robert. Ah, dit Alfred, en effet, dit M. de Noisson. Oui, madame de Noisson. L'essentiel est que je ne considère pas du tout ce que j'écris comme une écriture. C'est pourquoi je dis, je n'ai jamais appris à écrire. Ce que j'écris, c'est essentiellement ce que, ayant avancé follement peut-être, une phrase, m'étant jeté à l'eau d'une phrase, je me mets à être obligé de dire pour continuer. Et je suis alors dans la situation, non pas d'un écrivain qui consciemment va d'une phrase à l'autre, d'un chapitre à l'autre, d'un livre à l'autre, comme vous voudrez, mais dans celle du lecteur même, qui ayant pris un livre sans savoir ce que c'est, a lu la première phrase et celle-ci va jusqu'à la dernière. Je lis le livre que j'écris, je ne l'écris pas. «
Quand la Première Guerre mondiale commença, je n'avais pas tout à fait 17 ans. Assez rapidement, je compris que cette guerre ne devait pas durer quelques mois, comme on le croyait d'abord, et que selon toute probabilité, mobilisé, envoyé au front, j'aurais, comme la plupart des hommes de ma famille, les plus grandes chances d'y être tué. Et ma mère insistait toujours pour faire de moi un médecin. Ayant si peu à vivre, je me décidai à lui donner ce plaisir. Et j'entrepris mes études, bien persuadé que le sacrifice que je consentais n'était pas pour longtemps. C'était un temps de solitude, au long carême des études, où tout à son signe est réduit. Aux constellations la nuit, la vie à faire de mémoire, de chiffres blancs au tableau noir. Et lorsqu'on mourait à Vimy, moi, j'apprenais l'anatomie. Pardonnez-moi cette amertume, mais l'âge d'aimer quand nous lume, comme le regain sous la faux, tout y sonnait mortel et faux. Et qu'opposer, sinon nos songes, aux pas triomphants du mensonge, nous qui n'avions pour horizon qu'hypocrisie et trahison. En 1917, mobilisé comme étudiant en médecine, j'ai été envoyé compléter mes connaissances pour être médecin auxiliaire, c'est-à-dire adjudant-chef au cours du Val-de-Grâce. La chambrée où je couchais se trouvait en face d'une autre, dans le même couloir où étaient les étudiants de la classe précédente, lesquels venaient nous chahuter le soir dans notre dortoir. Contre la vitre opposée, j'ai vu le visage d'un jeune homme qui me regardait. Ce jeune étudiant en médecine, un peu plus âgé que moi, il était de la classe 16, s'appelait André Breton. Ce soir-là, échangeant des propos sur bien des sujets, nous nous étions aperçus d'une chose pour nous stupéfiante, l'intérêt que nous portions aux mêmes écrivains, Mallarmé, Rimbaud, Apollinaire, Le Tréamont. Qui pouvait alors faire un choix pareil? Personne. Strictement personne. C'est au Val-de-Grâce que s'est développé pour nous deux le goût de Le Tréamont que nous connaissions l'un et l'autre incomplètement, ayant seulement alors lu le premier chant de Maldoror. Et c'est dans un décor invraisemblable maldororien que nous le lisions, Breton et moi. Qu'auraient dit nos estimables officiers s'ils étaient arrivés à la proviste et nous avaient surpris lisant à tue-tête l'un ou l'autre? J'ai fait un pacte avec la prostitution afin de semer le désordre dans les familles. Je me rappelle la nuit qui précéda cette dangereuse liaison. Je vis devant moi un tombeau. J'entendis un ver luisant, grand comme une maison, qui me dit « Je vais t'éclairer, lis l'inscription, etc. » Nous avons connu l'existence de ce livre qui était introuvable, dont il existait seulement un exemplaire à la Bibliothèque nationale. La contradiction extraordinaire qui existe entre Le Tréamont, c'était le chant de Maldoror, et les poésies signées de son nom, Isidore Ducasse, chose écrite à un an de distance, ça a été pour moi un moteur intellectuel plus grand que n'importe quelle autre œuvre écrite. Presque tout ce que j'ai écrit est incompréhensible au fond si on ne se reporte pas à Le Tréamont et à la contradiction fondamentale qui existe en lui. Sens dramatique, équivoque, nous donnait de toutes choses une idée violente et vive. Tout ce qui touchait proprement à la guerre, tout ce côté illustration, cet exhibitionnisme de l'horreur, nous répugnait si fortement que je ne crois pas mentir en disant que jamais la guerre ne fut plus loin du cœur des jeunes gens qu'en ces jours où elle dominait les adultes. Ce qui nous attirait, c'était tout ce dont nous privait une morale imposée. Le luxe, les fêtes, le grand orchestre des vices, l'image de la femme héroïsée, sacrée aventurière.
L'idée que toute une génération se fie du monde se forme au cinéma. Et c'est un film qui la résume, un feuilleton. Une jeunesse tomba amoureuse de Musidora dans Les Vampires. J'avais été pris dans un bombardement sur la Velle. J'avais organisé un poste de secours juste en avant des lignes pour plus de facilité à soigner les blessés. En une journée, j'ai été enterré 3 fois. 3 fois, je m'en suis tiré, les yeux et les oreilles pleins de terre. Mais j'ai perdu mes papiers d'identité et toutes mes lettres. Un peu plus tard, je repasse par là. Je vais au cimetière militaire. Et sur une tombe, je vois, sur une pancarte de bois, Aragon, Louis. Mais l'inscription, que dit-elle? Je lis et je ne comprends plus. C'est pourtant mon nom que j'appelle. J'ai, dit-il, mal vu, j'ai, dit-il, mal lu, si c'est ma demeure mortelle qui dort au pied de ce talus. Le cœur muet, les yeux au ciel, depuis 6 semaines, 2 mois, dans la terre au bord de la Velle, à l'ombre d'une croix de bois, à 800 mètres de Couvrelles, quel est celui qu'on prend pour moi? Tu n'en reviendras pas, toi, qui courais les filles, jeune homme dont j'ai vu battre le cœur à nu, quand j'ai déchiré ta chemise, et toi non plus, tu n'en reviendras pas, vieux joueur de manie. Que nos buts a coupé par le travers en deux, pour une fois qu'il avait un jeu du tonnerre, et toi, le tatoué, l'ancien légionnaire, tu survivras longtemps sans visage, sans yeux. Il y avait eu l'armistice et la mort de Guillaume Apollinaire, la mort de Jacques Vacher, pour moi, l'Alsace, puis la Sarre. J'avais 22 ans, pas même, puisque c'était au printemps ou à la fin de l'hiver 1919, près de Sarrebruck. Il y avait eu des grèves dans les mines du voisinage, et les chasseurs de mon bataillon y montaient la garde. Ça devait être du côté de Völklingen, si je me souviens bien. Tout cela, d'un instant à l'autre, on pouvait tourner très mal. Si les nôtres devaient tirer, parce que cela ne se discute pas, j'étais d'un côté, pas de l'autre. Pas le choix. C'est alors que je sentis en moi brusquement que ces inconnus menaçants, ces boches, c'était eux ce soir-là qui avaient raison, dont la résistance exprimait tout ce qu'il y a de grand et de noble dans l'homme. Et alors, nous? Nous? Plus tard, bien plus tard, j'ai eu l'impression que cette nuit-là avait pesé lourd dans ma destinée. Peut-être. Je n'en ai rien montré. C'était comme cela, notre romantisme, à nous les jeunes d'alors. On ne pouvait pas le montrer, songez donc. C'était juste comme Dada III venait de m'arriver de Zurich. De quoi vous faire bien voir de l'officier du deuxième bureau. Vous feriez mieux, docteur, de ne pas recevoir de correspondance venant de Suisse. Et le bordel dans le quartier des casernes, ça chante de nos jours. C'était un temps déraisonnable. On avait mis les morts à table, on faisait les chats dans le sable, on prenait les loups pour des chiens, tout changeait de pôle et d'épaule, et la pièce était tellement drôle. Moi, si j'y tenais mal mon rôle, c'était n'y comprendre rien. Dans le quartier Hohenzollern, entre la Sarre et les casernes, comme les fleurs de la luzerne, fleurissaient les seins de Lola. Elle avait un cœur d'hirondelle. Sur le canapé du bordel,
on venait s'allonger près d'elle, dans les hoquets du piano. Est-ce ainsi que les hommes vivent et leurs baisers au loin les suivent? Je suis démobilisé. Paris. Ici m'attendait un événement, une étoile de première grandeur. Le surréalisme venait d'être inventé. La chose, par le nom. Philippe et André, quand j'arrive, ont tout juste écrit les premières pages des champs magnétiques. Cela était inscrit sur des cahiers d'écoliers. André craignait que j'en eusse quelque agacement. Il ne fallait pas considérer cela comme de la littérature. Peut-être, après me l'avoir lu, décideraient-ils tous deux de déchirer, brûler, jeter, anéantir ces pages. Prisonniers des gouttes d'eau, nous ne sommes que des animaux perpétuels. Nous courons dans les villes sans bruit, et les affiches enchantées ne nous touchent plus. À quoi bon ces grands enthousiasmes fragiles, ces sauts de joie desséchés? Nous ne savons plus rien que les astres morts. Nous regardons les visages et nous soupirons de plaisir. Je voudrais qu'on lise les champs magnétiques comme le voyageur ne conteste jamais ce qu'il voit par les fenêtres des trains. Laissez-vous mener. Nous n'avons plus l'âge du pourquoi. Pneus, pattes de velours. Suintement, cathédrale, vertébrée, supérieure. Raide tige de Suzanne, inutilité surtout, village de saveurs avec une église de homard. Moi, j'ai trouvé ça extrêmement intéressant, enfin merveilleux. Et je n'ai pas mis au monde le surréalisme à la façon d'un père, mais à la façon de l'accoucheur. Les mots m'ont pris par la main. Je demeurai longtemps derrière un vitellemente. L'histoire, quelque part, poursuivait sa tourmente. Ceux qui n'ont pas d'amour habitent les cafés. La boule de nickel est leur conte de fées, si pauvre que l'on soit, il y fait bon l'hiver. On y traîne sans fin par la vertu d'un verre. Moi, j'aimais au rocher boulevard Saint-Germain trouver le noir et or usagé des sous-mains. Garçon, de quoi écrire? Nous étions trois ou quatre au bout du jour, assis, à marier les sons pour rebâtir les choses. Sans cesse procédant à des métamorphoses, et nous faisions surgir d'étranges animaux, car l'un de nous avait inventé pour les mots le piège à loup de la vitesse. Garçon, de quoi écrire? Une énigme encore nous attirait. Zara. Nous recopillions ces phrases qui nous avaient plu. La relativité qui se confirme et qui est ma nourriture devient ici le meilleur sérum. J'écris parce que c'est naturel, comme je pisse, comme je suis malade. Cela n'a d'importance que pour moi et relativement. Nous fûmes dès lors appelés les dadaïstes, ou les dadas. J'étais ce mauvais diable qui se moquait de tout et de tous, et qui poussera la raillerie de soi-même jusqu'à signer un jour l'alphabet, et cela sous le titre suicide. Je vous le dis, suicide. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, V, W, X, Y, Z. Comment ne sentirions-nous pas de la fierté à parcourir du regard ces vastes champs défendus, notre terre promise? Plus de peintres. Plus de littérateurs. Plus de musiciens. Plus de sculpteurs. Plus de religions. Plus de républicains. Plus de royalistes. Plus d'impérialistes. Plus d'anarchistes. Plus de socialistes. Plus de bolcheviques. Plus de politiques. Plus de prolétaires. Plus de démocrates. Plus de bourgeois. Plus d'aristocrates. Plus d'armées. Plus de police. Plus de patrie. Enfin, assez de toutes ces imbécilités. Plus rien. Plus rien. Plus rien. Plus rien. 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 Il s'était, au cours de 1921, pratiqué une rupture entre les dadaïstes, dont le négativisme était total, et nous, sur la question même de l'activité littéraire. En particulier à cause du refus de Breton, Éluard, de moi-même, de Soupeau, de se soumettre à l'interdiction qu'on nous lançait, les dadas purs, de lire Baudelaire. Nous voulions à tout cela donner une certaine cohésion. Et nous avons décidé de nous dire « surréalistes ». Rêve.
rêve, rêve. Le soleil bleu des rêves, enfin, fait reculer les bêtes aux yeux d'acier vers leur tanière. Rêve, rêve, rêve sur les lèvres de l'amour, sur les chiffres du bonheur, sur les sanglots de l'attention, sur les signaux de l'espoir, dans les chantiers où se résigne un peuple auprès des pioches. Rêve, rêve, rêve. Nous sommes bien décidés à faire une révolution. Nous avons accolé le mot de surréalisme au mot de révolution uniquement pour montrer le caractère désintéressé, détaché et même tout à fait désespéré de cette révolution. Le scandale pour le scandale, est-ce pour procréer que vous faites l'amour? Ou pour gagner de l'argent? Ou par ambition? Ou par défi? Ou par lâcheté? Ou par habitude? Ou par esprit d'imitation? Cachez-vous, alcôve intéressée, turf de bourse immonde, des exaltations humaines. L'amour pour l'amour. Je n'ai jamais cherché autre chose que le scandale, et je l'ai cherché pour lui-même. Qu'avait-il, ce dernier, qui réussisse à émouvoir tous ceux qui sont la négation même de l'émotion et de la grandeur? Je tiens tout admirateur d'Anatole France pour un être dégradé. Il me plaît que le littérateur que salue aujourd'hui le tapir Maurras et Moscou la gâteuse, et par une incroyable duperie Paul Painlevé lui-même, ait écrit pour battre monnaie d'un instinct tout abject la plus déshonorante des préfaces à un conte de Sade, lequel a passé sa vie en prison pour recevoir à la fin le coup de pied de cet âne officiel. Certains jours, j'ai rêvé d'une gomme à effacer l'immondice humaine. Je suis pourri par le goût de séduire. À toute heure, cela me reprend. Il faut que je sonde mes limites. Tout me précipite à quelque nouvelle aventure. Il faut tenter, tenter encore. Je communique à autrui le goût passionné de l'expérience. Ayant remarqué que toutes les mythologies du passé, à partir du moment où l'on n'y croyait plus, se transformaient en romans, je m'étais proposé d'en agir à l'inverse et de m'adonner à un roman qui se présenterait comme une mythologie. Naturellement, une mythologie moderne. C'est par où j'entrepris l'écriture du paysan. J'avais pris soin de choisir un paysage, très vite rendu incontrôlable du fait qu'on allait démolir ce passage pour ouvrir la voie au boulevard Haussmann. Je m'astreignais délibérément de changer de manière et d'écrire précisément ce qui serait tout à coup intolérable aux yeux de mes juges intimes. C'est-à-dire d'adopter le ton descriptif. Je n'ai jamais de ma vie déchaîné pareille consternation. Mais pouvais-je me douter qu'il ne me restait qu'à poursuivre l'entreprise? C'est ainsi que pour la première fois, d'une façon consciente, je m'avançais sur la voie consciente de ce que j'ai appelé plus tard le réalisme. Le roman n'était pas bien vu par Breton. Oui, Breton n'a jamais supporté que mes romans à moi. Il faisait une exception, comme ça. Oui. Parce que j'étais tout de même ce qu'on appelle son meilleur ami, n'est-ce pas? Alors, tout de même, moi, il me passait les choses. Pourquoi est-ce qu'il n'aimait pas le roman? Pourquoi est-ce qu'un surréaliste ne pouvait pas écrire un roman? Mais, parce que simplement, le roman était une forme, je dirais, bourgeoise de la littérature. Je dis ça pour simplifier. Oui. Simplifier, mais c'est pas tout à fait comme ça. Mais enfin, c'était de cet ordre. Le grand choc, ce fut pour moi et pour plusieurs, la guerre du Rif. Quand notre bourgeoisie aux lèvres pacifiques entreprit le massacre systématique des Marocains, luttant pour leur indépendance, ce fut pour nous un coup, et pour moi, une bifurcation dans la vie. Que mon pays ait pu, 7 ans après une guerre dont on nous avait dit qu'elle serait la dernière,
Faire de ses fils des assassins en portant la guerre en pays lointain, c'était pour moi chose intolérable. Et je suis allé directement vers le seul parti qui se dressa contre la guerre. J'adhère au parti par conséquent au commencement de 27. Comme on sait, j'ai adhéré ce jour-là parce que c'était le jour des rois. Tu écris aussi, je pensais pour ma part que ce genre de résolution devait garder un caractère individuel. Et pourtant, tes amis t'ont suivi peu de temps après, non? Mais oui, mais pas tellement longtemps. Hein. Ils ont suivi, mais ils sont revenus sur leur pas dans l'autre sens, hein, avec une rapidité extrême. Je ne leur ai jamais donné tort pour cela. Car ce qu'était le parti à ce moment-là était intolérable pour un homme comme n'importe lequel d'entre nous. Un ouvriérisme indiscutable, un anti-intellectualisme, etc. Et en même temps, une incompréhension totale de ce que pouvaient être des gens comme nous. Cinq années. J'ai passé cinq années pris entre divers petits dégoûts. Le culte disproportionné d'un monde poétique que nous nous étions forgés, mes amis et moi, et le grand tourbillon où j'étais tenté de me jeter. Cinq années d'hésitation, de contre-marche. Ce fut là le beau temps et l'éclat du surréalisme. C'est alors, c'est au bout de ce laps de crainte et de scrupules, que je fis une rencontre qui devait changer ma vie. Le hasard m'a mis en face d'une femme dont je ne pensais rien, je ne savais rien, parce que je l'ai rencontrée dans Paris avec quelqu'un que je connaissais. C'était un Anglais, mais il lisait le français couramment et il avait vu mes premiers poèmes. Il avait voulu connaître cet auteur et il est venu à Paris spécialement pour me voir, moi. Du taxi que nous avions pris à trois avec la femme qui était charmante, qui était avec lui. Mais elle m'a dit, moi, je repars pour Londres. Elle m'a dit, vous ne voulez pas partir avec moi pour Londres? Avec plaisir, évidemment, mais je ne pouvais pas. Je ne peux pas avoir payé une chambre à l'hôtel, ni rien. Et j'étais encouragé par l'homme qui était là, qui m'a dit, mais moi, voilà mes clés. Vous pouvez habiter tranquillement chez moi trois semaines. Je ne reviens qu'à Paris qu'alors, tandis que Nancy repart demain. Et j'ai compris seulement quand Nancy m'a embrassé dans le taxi. Mais ce que je n'ai pas compris, c'est que ce type qui venait de partir était son ami et qui m'a considéré comme la dernière des ordures de lui avoir fait ça quand il me venait ses clés. J'avoue, je plaide mon innocence. Mais j'étais très amoureux de cette femme. Et nous avons vécu trois ans ensemble. Et Madrid, le voyage en Espagne? Nous avions eu diverses histoires entre nous. Particulièrement sur la question de l'écriture. Mais ce n'est pas ça qui a joué. La chose essentielle était un énorme roman dans lequel il y avait, à mon compte, 100 personnages entièrement décrits à égalité. La défense de l'infini. Oui. Tu le définis quelque part par cette phrase, le monde comme un vaste bordel. Oui, mais ça c'est vrai. C'était mon intention, mais que je n'ai pas achevé ce livre. Nan se prenait la défense de ce livre contre moi. C'est pourquoi je l'ai détruit. J'ai été jaloux. J'ai été jaloux du livre. Ça peut paraître idiot, mais c'est comme ça. Pas seulement. Comment? Ce n'est pas la seule raison. Non. Mais c'était une raison parce que dans les disputes qu'il y avait entre nous, elle m'opposait mon livre. Alors, puisqu'elle me l'opposait, je voyais pas de raison. Hein. J'ai eu cette perversité. J'ai brûlé ceci à quoi je travaillais depuis trois ans. Qu'est-ce qu'il en reste de la défense de l'infini? Peu de choses.
Il y a des fragments qui ont été publiés parce qu'il fallait bien vivre. La grande histoire a été que de ce livre, il a été manipulé une partie par un homme avec qui j'avais de très bonnes relations, mais qui a vu enfin un moyen d'exploitation et fait de ce livre énorme une publication portant sur un détail de l'histoire, oui, et un peu arrangé. Pourquoi on me persécute depuis de nombreuses années en me demandant, mais enfin, mais reconnaissez ça. Je ne peux pas le reconnaître. C'est pas possible. Et maintenant, salut à toi, palais rose, écrin pâle, alcôve un peu défaite par la joie grave de l'amour, vulve dans son ampleur à l'instant apparue. Nymphe au bord des vasques, au cœur des eaux jaillissantes, nymphe qui vous joignez sur un nœud de plaisir, et c'est le bouton adorable qui frémit du regard qui se pose sur lui, le bouton que j'effleure à peine que tout change. Et le ciel devient pur, et le corps est plus blanc. Manions-le, cet avertisseur d'incendie. Déjà une fine sueur perle la chair à l'horizon de mes désirs. Déjà les caravanes du spasme apparaissent dans le lointain des sables. Elle voulait toujours être ailleurs. Je n'utilise ce dernier mot que parce qu'elle m'apparaissait ainsi. L'amante de l'ailleurs, jamais vraiment la mienne. Nous sommes partis pour Venise en juillet 1928. Elle me parlait sans fin de cette ville étrange où nous allions habiter dans une partie d'un palais sur le Grand Canal. Et puis, le goût de Nan pour des rencontres baroques que Venise mettait tous les jours, toutes les nuits sur notre route. Jusqu'au jour où la vie de Venise étant ce qu'elle était. D'abord une vie mondaine que j'étais incapable de suivre et qu'il me fallait faire quelque chose la nuit parce que Nan s'est resté avec des gens élégants à parler dans de très belles maisons où moi je n'aimais même pas entrer. Nancy excitait beaucoup ta jalousie à Venise. Ça, c'est pas qu'elle excitait ma jalousie, mais elle parlait pendant des heures avec des imbéciles. Et elle aimait ça, elle aimait parler avec des imbéciles. C'était un instinct. Je m'en allais. Oui. Et tu t'en allais dans Venise la nuit. Et qu'est-ce que tu as fait un certain soir? Je ne vais pas vous raconter comment, dans un hôtel fantasque et misérable, une nuit de magnasco, j'ai tenté de quitter cette vie. Enfin, pour le lendemain, dans le grand jour, me retrouver sur une barque entre deux chemises noires et l'eau sombre du Grand Canal. On m'avait ramené au palazzo de Nan. Je ne tenais pas debout. Pas un mot de reproche, les yeux seulement, déjà qu'elle avait si grands. Plus grands que jamais. L'amour, salaud, l'amour pour vous, c'est d'arriver à coucher ensemble, d'arriver, et après. Ah ah, tout l'amour est dans ce « et après ». Crachons, veux-tu bien, sur ce que nous avons aimé ensemble. Crachons sur l'amour, sur nos lits défaits, sur notre silence et sur les mots balbutiés, sur les étoiles, fussent-elles tes yeux, sur le soleil, fût-il tes dents, sur l'éternité, fût-elle ta bouche, et sur notre amour, fût-il ton amour. Crachons, veux-tu bien. La plaie qui s'était ouverte à Venise avait mis longtemps à se cicatriser. Je ne parlerai pas de ces jours de folie. On sait ce qu'il en advint, et le nom de celle par qui tout changea. Celle à qui j'ai pu dire « Ma vie est à partir de toi ». Il n'aurait fallu qu'un moment de plus pour que la mort vienne, mais une main nue alors est venue qui a pris la mienne. Aux semaines, sa réalité à l'immensité des choses humaines. J'étais assis là, sur ce tabouret,
Un ami m'avait dit, vous devriez faire la connaissance de cette femme. Je jouais au dé tout seul. En me retournant, je voyais la table du coin où la veille, le 4 novembre 1928, il y avait un tas de gens. L'un d'eux m'avait dit, « Monsieur Aragon, le poète Vladimir Mayakovsky vous prie de vous asseoir à sa table. Un Mayakovsky comme cela. » Et voilà, tout à fait indépendamment, le lendemain, le 5 novembre, je suis entré au café par cette petite porte battante. Louis ressemblait à un danseur d'établissement. Il était extraordinairement brun, ce que aujourd'hui personne ne veut croire, parce qu'il a les yeux bleus, et comme il a les cheveux blancs, alors on croit qu'il était blond. Or, il était aussi brun que possible. Il était très mince et très beau, un peu trop beau. Moi, je ne me suis jamais vu. Je m'étonne beaucoup quand je vois maintenant mes photographies d'alors. Je les prends un petit peu pour Sacha Distel, plus que pour moi. Mais j'ai rencontré Elsa à une époque où j'étais un personnage assez insupportable, mais assez malheureux. Je m'étais dit, dans la première heure où nous étions ensemble dans un café, par conséquent, cette femme-là, ou cela ira avec elle, ou bien je me tue. Plus que jamais, les surréalistes refusent de reconnaître l'art comme une fin. Le monde qui les entoure commence à se lasser de ce refus. Il n'y a pas de domaine où, avec une soudaineté sans précédent, les surréalistes ne se trouvent traqués. L'œuvre admirable de Buñuel et Dali, L'Âge d'or, est l'objet des manœuvres et de l'interdiction que l'on sait. Vive le Guépéou, véritable image de la grandeur matérialiste. Vive le Guépéou contre Dieu Chiappe et la Marseillaise. Vive le Guépéou contre le pape et les poux. Vive le Guépéou contre la résignation, les banques. Vive le Guépéou contre les manœuvres de l'Est. Vive le Guépéou contre la famille. Vive le Guépéou contre les lois scélérates. Vive le Guépéou contre tous les ennemis du prolétariat. Vive le Guépéou. Prendre en main ce qui était proclamé le pire pour en faire le meilleur. Vous me direz que j'étais fou. Eh bien oui, j'étais fou. Au point d'être fier de ma folie. Comprenez-vous ça? Я полюбил Маяковского сразу без колебаний. С первой прочитанной книжки знал наизусть, защищал его. L'enterrement de Маяковский a été une chose étrange, étant donné le jugement absolument implacable, on ne se tue pas quand on est communiste, qu'est-ce que ça veut dire, etc. L'enterrement de Mayakovsky a été comme un triomphe, mais il ne l'a pas vu. C'est ce Mayakovsky-là qu'a en premier lieu connu Elsa. Elle n'avait pas tout à fait 16 ans. Elsa était presque la première
à aimer les poèmes de Maïakovski, avant qu'on sache même qu'il était un poète. C'est par moi qu'il a connu ma sœur et qu'il est devenu ensuite son mari. Je ne peux pas du tout oublier son suicide et sa disparition. On a dit, on a écrit n'importe quoi sur ce voyage de 1930. Ses raisons, ses buts. Le vrai est que nous n'étions partis vers la mi-août, Elsa et moi, que pour ne pas laisser seule notre sœur Lily. Ce n'est que vers le 8 ou 10 octobre, alors déjà que Georges Sadoul était venu nous rejoindre, que l'idée vint aux initiateurs d'un congrès qui allait se tenir à Kharkov en novembre, d'inviter ces deux Français, puisqu'il s'agissait d'un congrès international d'écrivains et qu'on n'avait pas d'autres Français sous la main. Il nous était apparu à Georges et à moi que nous dérober à l'invitation qui nous était faite, c'était lâcheté. Refus d'une occasion unique de défendre ici le surréalisme. Ce n'est pas ici que je vais raconter ce congrès ni le voyage au chantier de Dniepostroï qui l'a suivi. Comment nous avions cru gagner la partie. Comment nous avions, retrouvant les nôtres, mesuré l'incommunicabilité de ce par quoi tous deux nous avions passé de l'autre côté du monde. De ce double vertige de là-bas et d'ici. Comme membres du parti, nous reconnaissons que nous aurions dû provoquer le contrôle effectif de notre activité littéraire par le parti et soumettre cette activité à ce contrôle. L'erreur que cela comporte est à l'origine de toutes les fautes que nous avons commises et de celles dont nous avons pu sembler solidaires. Notamment en ce qui concerne le second manifeste du surréalisme par André Breton, dans la mesure où il contrarie le matérialisme dialectique. Je n'éprouve ici aucunement le besoin, l'envie, le désir de polémiquer ici avec misère de la poésie. Le temps écoulé, les événements s'en sont chargés à leur manière, pour André comme pour moi. Je n'ai jamais rien fait de ma vie qui m'ait coûté plus cher. Rompre ainsi avec l'ami de toute ma jeunesse ne m'a pas été seulement affreux pour quelques jours. C'est une blessure que je me suis faite et qui ne s'est jamais cicatrisée. C'était un temps comme ça, le pire de ma vie. Le temps est là, enserré dans ce que j'appelais des vers, le temps terrible. Et même presque à chaque pas, la date en est donnée, le mois, les faits extérieurs contemporains de ces accès de tristesse, de ce ciel noir. Descendez les flics, camarades, descendez les flics. Plus loin vers l'ouest où dorment les enfants riches et les putains de première classe. Dépasse la Madeleine, prolétariat, que ta fureur balaye l'Elysée. Tu as bien droit au bois de Boulogne en semaine. Un jour, tu feras sauter l'arc de triomphe. Prolétariat, connais ta force et déchaîne-la. Feu sur Léon Blum, feu sur Boncourt, Frossard, Déa. Feu sur les ours savants de la social-démocratie. Feu, feu. J'entends passer la mort qui se jette sur Garcherie. Feu, vous dis-je, sous la conduite du Parti communiste SFIC. Vous attendez le doigt sur la gâchette que ce ne soit plus moi qui vous crie feu, mais Lénine, le Lénine du juste moment. On ne sait plus ici ce que c'était que le chômage, le bruit du marteau, le bruit de la faucille monte de la terre. Est-ce bien la faucille? Est-ce bien le marteau? L'air est plein de criquets, crécelles et caresses, URSS, coups de feu, coups de fouet, clameurs, c'est la jeunesse héroïque. Céréales, Assyrie, SSSR, SSSR, les yeux bleus de la révolution brillent d'une cruauté nécessaire. SSSR, 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 SSSR. Au risque de passer pour un démagogue ou un charlatan, je vous dirais que moi, je défends la poésie quand je défends l'Union soviétique, par exemple. Lisez Front Rouge avec les yeux que j'ai maintenant pour lui. André avait mille et une fois raison. Mille et une fois raison de considérer en ce temps-là comme régressif un langage purement proclamatoire. Une confusion du meeting et du poème qui n'apprenait rien à personne, qui ne donnait sur aucun au-delà, encore que j'ai pu en croire. Il fallait pour cela... Non point que la poésie, mais le temps en changea. Nous avons habité ici, à Montparnasse. Nous n'avions pas le sou. Comment s'en tirer? Elsa a imaginé de faire des colliers. Nous avons vécu ainsi 2-3 ans, nous trouvant riches. Jusqu'au jour où tu en as eu assez.
Alors je suis devenu journaliste à 1300 francs par mois. C'était 33, 34. J'avais pris très au sérieux le combat contre la religion. Je fus appelé par Maurice Thorez, qui me passa un savon pour, dans une maison d'édition qui était celle du parti, avoir publié des textes qui, en fait, ne répondaient aucunement à la véritable politique du parti. Voici donc ces piteux enfants rouges. Le dieu que l'on montre en image est un riche, certainement, avec un bel appartement, puisqu'il tolère le chômage. À la radio, le dimanche, flics et curés s'expriment, mais les communistes, ça, jamais. Faut être du côté du manche. Pour faire oublier la commune, le Sacré-Cœur a vu le jour. Un beau soir, il aura son tour, ce gâteau blanc comme la lune. Mère, au soir pourtant si lasse, prenez vos fils sur vos genoux. Donnez-leur, pour l'amour de vous, le sens de la lutte des classes. Dans ce temps où l'on dit bien sommairement que je n'écrivais plus, j'ai terriblement écrit, déchiré, jeté. C'était une quête à tâtons de moi-même. J'ignorais encore le commun dénominateur de ces écrits disparates. Un jour vint que j'osais penser le nom de la chose, et j'écrivis le mot « réalisme ». On appelle malheureusement trop souvent « réalisme » une certaine sorte de naturalisme. Je pense que l'important n'est pas de dire à quelqu'un « Vous n'êtes pas réaliste puisque vous n'employez pas les moyens classiques du réalisme », mais de voir si réellement, par ce moyen ou par tel autre, il n'a pas mis le doigt sur une réalité. Pourquoi la décision réaliste, la conscience du réel, fonde-t-elle la nécessité du roman ? L'extraordinaire du roman, c'est que pour comprendre le réel objectif, il invente d'inventer. Comment m'est-il venu à l'esprit d'écrire les cloches de Bâle, précisément les cloches de Bâle et rien d'autre? Un jour, et je jure que c'était sans malice, j'écrivis tout à fait comme si j'étais encore au temps de l'écriture automatique une phrase, comme une provocation. Cela ne fit rire personne quand Guy appela M. Romanet « papa ». Cela me fit cependant rire de l'avoir écrit. J'ai joué à la création d'un monde à partir d'une phrase, d'un incipit, comme on dit, pendant 8 jours. Il en est sorti 100 pages. Et là, Elsa m'a arrêté et m'a dit, mais tu vas écrire longtemps comme ça? Et je me suis rendu compte qu'effectivement, ceci était... le roman tel qu'il a existé et que je n'étais pas fait pour écrire particulièrement. Mais j'ai voulu me justifier aux yeux d'Elsa et les 300 pages suivantes du livre sont entièrement la justification des 100 premières pages qui faisaient du livre ainsi détourné de sa source un livre qui correspondait aux idées fondamentales qui nous était commune et qui est le rôle de la femme. L'année s'achève, une année assez terrible si on la résume. L'année où Hitler tua Röhm de ses mains et ses compagnons sont exterminés. Du massacre de Schleicher et de George Strasser, l'assassinat de Dollfuss à Vienne, et cette semaine après, Bartou tué à Marseille avec le roi Alexandre de Yougoslavie. Là-dessus, Kirov. Quel rapport entre tout cela? En tout cas, dès le début décembre, des procès se sont ouverts à Leningrad, à Moscou. Zinoviev, Kamenev, Eudokimov, Bakaïev et 11 anciens sinovievistes sont arrêtés. Qu'est-ce que vous voudrez bien que j'y eusse compris, mes enfants? En tout cas, Kirov Sergueï Mironovitch était bien mort. J'ignorais en fait qui au juste était Kirov. Et c'est Jasienski, tremblant, qui m'explique, mais c'est Kirov qu'ils ont tué. Tu comprends? L'idéologue, tu comprends? C'est l'idéologue qu'ils ont tué. Je l'ai vu mort, à la salle des colonnes. C'est là que, pour la première fois, j'ai vu Staline.
en chair et en os. Il avait les yeux pleins de larmes. J'ai vu pleurer Staline. Je veux dire, j'ai vu Staline pleurer Kirov. Je le vois encore maintenant que toutes les raisons du monde font que ce soit lui qui ait donné l'ordre de faire cela. Mais comment ? Comment est-ce possible ? Et quand donc nous avions lu, en janvier 1931, la réponse de Iossif Vissarionovitch à l'agence télégraphique juive des États-Unis, les antisémites actifs seront punis de mort par les lois de l'URSS. Vous auriez toujours pu me dire que Staline, en réalité, était le chef de l'antisémitisme dans son pays. Je vous aurais ri au nez. Et je l'avais vu pleurer sur Kirov mort. Ainsi s'achève ce long chapitre de l'an 34 de notre siècle. Ô jeunes gens de 1975, aujourd'hui savez-vous ce que c'est que le rire amer ? Au nom du peuple de France, nous, représentants mandatés ou membres du Rassemblement populaire du 14 juillet 1935, animés par la même volonté de donner du pain aux travailleurs, du travail à la jeunesse et la paix au monde, nous faisons le serment solennel de rester unis pour désarmer les dissidents et les dépressions. Réunir les écrivains du monde entier, où voulez-vous que cela puisse faire, sinon à Paris ? Je place ici mes paroles auxquelles fut donné, non par moi, et je ne sais plus comment, un titre qui me paraît aujourd'hui bien emphatique, le retour à la réalité. Je réclame le retour à la réalité au nom de cette réalité qui s'est levée sur un sixième du globe, au nom de celui qui avait su le premier la prévoir, et qui dans le printemps de 1845 à Bruxelles écrivait « Les philosophes n'ont fait jusqu'ici qu'interpréter le monde de différentes manières. Il s'agit maintenant de le transformer. » On n'imagine pas l'exaltation, la gaieté de ces jours d'entre-deux-règnes. La nature de ces occupations d'usines dont on nous a rabattu les oreilles. Et l'extraordinaire rencontre des gens les plus divers. Je n'ai pas fini d'en rêver après tant d'années, de malheur, de guerre. Or, en mai 1936, où j'achevais mes beaux quartiers, l'inquiétude des révolutions manquées faisait partie de mes hantises. Le Front populaire, cette énorme illusion, ne serait-il qu'une illusion passagère ? Tout ce qu'elle comportait d'espoir n'aurait-il été que rêverie, au bout du compte ? Je semble ici tout mêler. La poésie, le roman, le temps qui passe, les grands changements qui se font dans les masses comme dans les individus. Mais ne comprenez-vous pas que c'est cela qu'il faut jeter en pleine lumière pour qu'on comprenne l'histoire, avec ou sans majuscule ? Nous avons été aux approches du front, au nord, me semble-t-il, de Madrid, pour remettre nos cadeaux aux combattants. Médicaments, matériel sanitaire. C'était un geste de solidarité du Comité international des écrivains pour la défense de la culture. On venait d'apprendre que l'Union soviétique, à son tour, venait d'entrer dans le comité londonien de la non-intervention. Et parce que j'avais dit qu'il ne fallait pas se hâter de juger, c'était contre moi. Contre Elsa, qui me soutenait, que s'était retournée la colère. Je dis que rien ne permettait de croire que l'Union soviétique s'était faite la complice d'Hitler et de Mussolini, et que s'il fallait choisir entre la perte de l'URSS ou celle de l'Espagne, j'étais pour que survive ce grand pays en qui se résumait l'espoir du monde, l'espoir entier, l'espoir des peuples, et que périsse l'Espagne, et vous tous, mais survive le grand pays de l'avenir. Il n'y avait à cette heure plus rien qui pût se dire, après cet impardonnable éclat de ma part.
Monsieur Louis Aragon a obtenu le prix Théophras Renaudot. Tout le monde me cherchait. Havas, la presse, les amis. Je venais d'avoir le prix Renaudot pour les beaux quartiers, voilà. Ah, j'en ai signé des bouquins. Il me faut rêver à l'avenir où des livres s'écriront pour des hommes pacifiques et maîtres de leur destin. Cette phrase de la postface au beau quartier ne se borne pas à justifier le cycle du monde réel que j'invente alors. Elle traduit l'orientation même du roman que je venais d'écrire et en fait un système. Tourner l'invention romanesque vers l'avenir, on suppose la vue. Maintenant, ce soir, il ne s'agissait pas du tout de créer un organe communiste. Mais alors pourquoi avait-on pensé à moi pour le diriger ? Toujours est-il que Maurice Thorez m'avait demandé d'accepter ce travail, même si, comme je craignais, cela pouvait constituer un poids assez lourd pour freiner mon activité d'écrivain. Le journal, cela avait tout de suite pris une étrange place dans ma vie. Nos heures à tous deux, Elsa, de dormir comme de ne pas dormir. C'est vers la fin mai que se produisit dans ma vie, dans notre vie, un événement dont on verra dans mes écrits à diverses reprises le long retentissement, qui prendra très tard écho dans un poème. Il a fallu la menace pressante de la mort sur l'être qui m'est le plus cher. Il a fallu d'horribles journées et l'atroce apprentissage des sentiments d'une agonie. Il a fallu... Toute une nuit, j'ai cru que mon âme était morte. Toute une longue nuit, immobile et glacée, quelque chose dans moi grinçait comme une porte, quelque chose dans moi comme un oiseau blessé. Toute une nuit sans fin, sur ma chaise immobile, j'écoutais l'ombre et le silence grandissant. Un pas claquait parfois le pavé de la ville, puis rien qu'à mon oreille, une artère et le sang. Il a passé sur moi des heures et des heures, je ne remuais plus, tant j'avais peur de toi. Je me disais, je meurs, c'est moi qui meurs. Tout à coup, les pigeons ont chanté sous le toit. Que serais-je sans toi, qui vins à ma rencontre? Que serais-je sans toi, qu'un cœur au bois dormant? Que cette heure arrêtée au cadran de la montre? Que serais-je sans toi? C'est à ce moment de notre vie commune que je découvris le secret d'Elsa et mon aveuglement de déjà de longues années. Je savais bien qu'Elsa, depuis un certain temps, écrivait des choses, mais j'ignorais quoi. Voilà que Bonsoir Thérèse venait de paraître chez De Noël, mon éditeur d'alors, sans que j'en aie été prévenu. Sans qu'Elsa m'eût dit même qu'elle écrivait quelque chose en français. Pour moi, écrire en français, c'était un absolu déchirement. J'ai écrit en français parce qu'il fallait bien que je me décide ou de ne pas écrire du tout, ou d'écrire en français. J'habitais la France. Et Aragon, qu'on croit extrêmement partial dans son jugement, il n'a même pas voulu entendre parler, il avait très peur que j'écrive quelque chose qui lui soit tout à fait contraire et qu'il ne puisse pas aimer. Il ne s'agissait plus d'écrire correctement ou non, mais de créer. Il s'agit bien là, dans ma vie à moi, d'un moment capital. Promulgue officiellement le décret d'annexion de l'Autriche à l'Allemagne. Auch eine Ausstellung entartete Kunst in Paris. Nur mit dem Unterschied, dass man dort in diesen Machwerken einzigartige künstlerische Offenbarungen sieht, während sich das gesunde Empfinden des deutschen Volkes von diesen krankhaften Verehrungen seit langem abgewandt hat.
Je dis que nous sommes en guerre, nous autres Français, avec l'Allemagne. Une guerre qui se fait par d'autres moyens, voilà tout. C'est que, dans cette guerre que nous font les Allemands, ils ont tourné leurs premières armes contre leurs poètes, leurs musiciens, leurs philosophes, leurs peintres, leurs acteurs. Je me dois personnellement de reconnaître ici une dette de la France envers eux. Au jour de septembre, certains d'entre eux, je le sais, j'en suis témoin, étaient prêts à défendre jusqu'au sol de notre patrie avec leurs bras, avec le mur de leur poitrine. Cela, je ne l'oublierai jamais. Et tant que j'aurai une voix pour crier, je ne le laisserai pas oublier aux autres. Rien désormais ne semble plus pouvoir arrêter la guerre. Et de nouveau, l'orage s'élève plus menaçant que jamais. Vive la paix. Ce fait, se produisant à un moment d'extrême tension en Europe, est avant tout un gain pour la paix. L'agresseur professionnel, le fascisme, est contraint de traiter. Et avec qui? Avec la puissance même de laquelle il s'est en toute occasion déclaré l'irréductible ennemi. Le pacte de non-agression avec l'Allemagne, imposé à M. Hitler qui n'avait d'autre possibilité que de capituler ainsi ou de faire la guerre, c'est le triomphe de cette volonté de paix soviétique. Nous sommes au jour où l'on devra reconnaître qu'il y a quelque chose de changé dans le monde et que, parce qu'il y a l'URSS, on ne fait pas la guerre comme on veut. Je me représente avec assez de netteté comment d'une sorte de décision froide, d'une sorte d'horreur folle du désespoir, d'une volonté de ne pas être vaincu par les ténèbres, naquit cette résolution qui me fit, en septembre 1939, écrire les premiers poèmes du Crève-cœur. Le Crève-cœur est comme... Sur les brancards de toile bise, on emporte des jeunes gens, le ventre rouge et la peau grise. On emporte des jeunes gens, mais qui sait si c'est bien utile, ils vont mourir, laissez, sergent. Mais qui sait si c'est bien utile, s'ils arrivent à Saint-Omer, entre nous, qui trouveront-ils? S'ils arrivent à Saint-Omer, ils y trouveront l'ennemi. Ces chars nous coupent de la mer. Ils y trouveront l'ennemi. On dit qu'ils ont pris Abbeville, que nos péchés nous soient remis. On dit qu'ils ont pris Abbeville. Ainsi parlaient des artilleurs, regardant passer des... Refaire chanter les choses n'a été plus urgente et noble mission à l'homme qu'à cette heure où il est plus profondément humilié, plus entièrement dégradé que jamais. À cette heure où la déraisonnable rime redevient la seule raison. Réconciliée avec le sens. Et pleine du sens, comme un fruit mûr de son vin. Il restait maintenant à en finir avec l'Angleterre, une Angleterre fatiguée et toute seule. Les morts, abandonnés dans leurs chemises, les bateaux frappés, les bassins du port, les départs des squelettes sur une barque, l'incendie à tous les bouts, le bruit de la faux mortelle à nos oreilles, les oiseaux du sang, les règlements de compte, les jugements sommaires, les suspects abattus. Et le heurt monstrueux des idées dans les têtes, pareil au cliquetis bleu et noir des aciers. Tâche de t'arranger. Parce que si tu es fait prisonnier, il faut que tu saches, je ne t'attendrai pas. La vie est trop courte. Je prendrai un amant. C'est inhumain d'exiger d'une femme. Ne pleure pas, mon petit, qu'est-ce que tu as? Si ça te déplaît, eh bien arrange-toi. Qu'on ne te prenne pas. Ne les laisse pas te prendre. Parce que tu sais maintenant, tu es prévenu. Je ne t'attendrai pas. Pourquoi avais-je choisi, a priori, choisi la poésie comme arme éventuelle plutôt que le roman? C'est que je m'étais dit qu'on ne pourrait pas recommencer le goût du roman contre la guerre, parce qu'on était prévenu contre lui. Tandis que dans le domaine poétique, j'espérais surprendre les pouvoirs publics qui se seraient d'emblée opposés au roman. Et effectivement, je suis arrivé à surprendre le pouvoir de Vichy, qui ne croyait pas que des vers patriotiques puissent être une arme dangereuse pour lui. J'empêche en respirant certaines gens de vivre. Je trouble leur sommeil dans ne sait quel remords. Il paraît qu'en rimant, je débouche les cuivres et que ça fait un bruit à réveiller les morts.
Ah, si l'écho des chars dans mes vers vous dérange, s'il grince dans mes cieux d'étranges cris des cieux, c'est qu'à l'orgue, l'orage a détruit la voix d'ange, et que je me souviens de Dunkerque, messieurs. Vous pouvez condamner un poète au silence, et faire d'un oiseau du ciel un galérien, mais pour lui refuser le droit d'aimer la France, il vous faudrait savoir que vous n'y pouvez rien. Nous vivons à une époque où règne cette étrange conception lunaire que la poésie n'est pas de circonstance, quoi qu'en ait dit Goethe, que la poésie commence où la circonstance se perd, et que plus on comprend un poème et moins il est poétique. Tout est alors antipoétique qui est de son temps, qui marque le fait, la date, la réalité. Mais voici le président Laval accompagné de l'ambassadeur des prisonniers Lucius Capilli et des représentants des autorités occupantes. Le chef du gouvernement a tenu à assister lui-même à cette première rencontre des hommes qui partent et des hommes qui reviennent. Ouvriers, qui partez librement pour l'Allemagne. Ne t'en va pas où l'on te dit, avec de grands mots pour enseigne, quand c'est la blessure qui saigne, ne t'en va pas. Ne t'en va pas chez le tyran, forger sa puissance toi-même, et défaire pour ceux que tu aimes. Ne t'en va pas. Ne t'en va pas, prends ton fusil, siffle ton chien, chasse les ombres. Chasseur, chasseur, tu es le nombre. Ne t'en va pas. Prends ton fusil. C'est en ce temps-là que j'allais passer des heures chez lui, là-haut, à Cimiez, et que j'écrivais ce Matisse en France. J'y parle du portrait de Matisse et du portrait, déjà. Matisse s'était mis à faire mon portrait, une trentaine de dessins. Vous imaginez ma gêne le jour où, entrant dans la chambre du peintre, je trouvais ces 30 moi-même affichés sur le mur, côte à côte, tapissant le mur en face de son lit. 10 semblables et semblables entre eux. 10 semblables et semblables moi-même. Ce qui m'avait semblé n'être aucunement moi-même, peu à peu je m'y apercevais, je m'y reconnaissais. Tant pis si cela relève d'une certaine subjectivité. Ainsi Matisse m'a vu, ainsi je resterai pour d'autres. Et brûlez donc toutes les photographies. J'ai mis près de 30 ans à écrire ce livre sur Matisse. Faut songer à ça. J'ai souvent recommencé, j'ai retrouvé dans les textes de Matisse des choses qui contredisaient ce que je venais de dire. Et j'ai toujours cédé le chemin, la place et le chemin à Matisse, bien entendu. Pourquoi tu as appelé ce livre Henri Matisse roman? Pourquoi roman? Parce que c'est finalement une image romanesque de l'homme qui en est à la fois l'auteur et le sujet. C'est à proprement parler, même le seul roman bien fait que j'ai jamais fait. Parce qu'on peut y voir, absolument toutes les ficelles. Les miennes, celles de Matisse et d'autres gens. Quand tu écris sur la peinture, ça veut dire quoi? Avant tout, autre chose, c'est écrire sur un homme. Et il n'est pas possible de penser que la peinture de quelqu'un est une chose totalement coupée de sa vie. Ou bien c'est pas un peintre. Toute sa vie, il aura peint la parole dans lui, la forêt de pin dans lui. Ses méandres, peint son regard de tout, peint la distance et le toucher, peint sur la nuit, le jour, et le poids d'une tête dans la main, d'un pied sur le sable, il aura peint pour empêcher le soir des choses. Nous avons, Elsa et moi, quitté la vie légale. Nous sommes passés dans la clandestinité et je n'étais plus atteignable. Nous avons habité ici et là, avec Elsa. Et fait un travail illégal direct, l'un et l'autre. Il n'y a pas d'amour qui ne soit à douleur. Il n'y a pas d'amour dont on ne soit meurtri. Il n'y a pas d'amour dont on ne soit flétri. Et pas plus que de toi, l'amour de la patrie, il n'y a pas.
a pas d'amour heureux. C'est en 1943 que ce poème a été écrit. Comment aurait-il pu y avoir un amour heureux dans les conditions dramatiques de la France ? À cette époque, Elsa a voulu me quitter. Il y avait alors, dans les mouvements de résistance auxquels nous appartenions, une loi à laquelle on ne pouvait manquer et qui voulait que deux personnes, travaillant dans ces mouvements, n'eussent pas le droit de continuer à habiter ensemble. Ce drame entre nous s'est réglé par simple insubordination aux règles de la sécurité. Cependant, l'essentiel de cette histoire est ailleurs. Elsa m'avait arraché mes lunettes masculines. Ces préjugés de l'homme qui, sous le prétexte d'assumer toutes les responsabilités du couple, confine la femme à n'être que sa femme, son reflet. Près de Chalon-sur-Saône, un attentat fait 18 morts, 32 blessés graves. À Grenoble, une explosion détruit des quartiers entiers, 1500 blessés. À Bourg-en-Bresse, les boutiques sont saccagées le jour des obsèques du général de Benet. Telles sont les œuvres de terroristes étrangers et presque tous juifs. Nul ne semblait vous voir français de préférence. Les gens allaient sans yeux pour vous le jour durant. Mais à l'heure du couvre-feu, des doigts errants avaient écrit sous vos photos « Mort pour la France ». Et les mornes matins en étaient différents. Tout avait la couleur uniforme du givre. À la fin février, pour vos derniers moments. Et c'est alors que l'un de vous dit calmement « Bonheur à tous, bonheur à ceux qui vont survivre. Je meurs sans haine en moi pour le peuple allemand. » Paris brisé, Paris martyrisé, mais Paris libéré. Rien ne m'a fait jamais battre le cœur, rien ne m'a fait ainsi rire et pleurer, comme ce cri de mon peuple vainqueur. Rien n'est si grand qu'un linceul déchiré, Paris, Paris soi-même libéré. Maman restée sans amour sur les tombes de vos héros, la même lumière du jour baigne les ruines d'Oradour et les yeux vivants des bourreaux. Au berceau d'Oradour, demain, pour qu'on ne revoie plus la guerre, se met la mort comme naguère, dans le monde entier se liguèrent près d'un milliard de cœurs humains. Que la paix ouvre enfin ses vannes et le peuple dicte ses lois. Nous, les faiseurs de caravanes, t'apportons, Oradour sur glane, la colombe en guise de croix. Française de charbon se trouve presque complètement annihilée par la grève des mineurs. Et la décision prise par les grévistes de ne plus assurer les services de sécurité aggravait encore les effets de ce mouvement. Les compagnons d'alors dans le printemps des Flandres, vous souvient-il comment notre amour fut joué ? Vous pleuriez dans vos chars de ne savoir défendre la frontière trouée. Il paraît qu'aujourd'hui nous avons assez d'armes pour tenir dans Carvin victorieusement et que nos yeux n'ont plus à s'embuer de larmes comme aux jours allemands. Nous avons à la fin trouvé le vrai théâtre
où porter nos couleurs et nos pas triomphants. L'adversaire est français qui ne voulait se battre que pour le pain de ses enfants. Les savants soviétiques considèrent qu'il existe dans l'état actuel du monde deux sciences. L'une qui sert les vues de la bourgeoisie et qui est limitée par elle. L'autre, qui est celle du prolétariat, et est aussi peu limitée que le vaste destin de la classe montante. L'opposition des deux sciences correspond exactement à l'opposition des deux camps qui se sont créés dans le monde, le camp de la paix et le camp de la guerre. Frédéric Joliot-Curie, par son existence même, prouve le bien fondé de cette conception. Il prouve que le combat pour la science et le combat pour la paix sont un seul et même combat où les frontières qui séparent les adversaires ne sont pas territoriales, mais théoriques. Théoriques pour un matérialiste conséquent, puisque ce sont des frontières de classe, et qu'il y a deux sciences, comme il y a deux camps. Et l'opposition du vieux Faust et du jeune Henri n'a finalement pas d'autre signification dans le film de René Clair, La beauté du diable. Je ne te demande aucun engagement, mets-moi l'épreuve. Tu voulais connaître les grands secrets de la nature, je t'aiderai à les découvrir. Tu voulais faire de l'or. Cette nuit même, je te le promets, tu réussiras. Ai-je tenu parole? Tu ne t'es engagé à rien, pourtant vois comme tout devient facile. Elena, demande-toi cette découverte à laquelle tu rêvais depuis tant d'années. Et cela n'est qu'un premier pas. Tout peut se changer en tout. Le sable en or et l'or en... Que ferai-je de mon pouvoir? Ce qu'en font les grands conducteurs de peuple. Tu seras le maître absolu. Tu récompenseras ceux qui s'inclineront devant toutes tes volontés. Aux autres, ta bonté donnera le temps de reconnaître leurs erreurs. Et s'ils sont incorrigibles, vois-tu, les vieilles méthodes sont encore les meilleures. Je ne ferai pas cela. Il le faudra bien. Mais je ne veux que le bonheur des hommes. Et c'est pour leur bonheur que tu devras être sévère. C'est pour leur bonheur que tu travailleras chaque nuit. Faire de l'or était un jeu d'enfant pour nous. Transformer le monde grâce à la science, voilà le but suprême. Sans mettre en doute les sentiments du grand artiste Picasso, dont chacun connaît l'attachement à la cause de la classe ouvrière, le secrétariat du Parti communiste regrette que le camarade Aragon, membre du comité central et directeur des lettres françaises, qui par ailleurs lutte courageusement pour le développement de l'art réaliste, ait permis cette publication. Quand ce dessin m'est parvenu, je n'ai pas eu la réaction qui devait être celle du public. Voilà le fait. J'ai vu un Staline jeune, avec le caractère national, géorgien, très marqué, dessiné par Picasso. J'ai perdu de vue le lecteur qui regarderait cela sans se préoccuper du trait, de la technique. C'est là mon erreur. Je l'ai payé très chèrement. Je l'ai reconnu. Je la reconnais encore. À n'en savoir que dire, à n'avoir que toi d'horizon, et ne connaître de saison. Ah, nous avons tant acheté des demeures dans la campagne ou des cachettes dans les villes, pour l'amour et pour le silence, et notre solitude à deux. Rêve ou jeu, vois-tu, c'est tout comme. Et l'avons-nous joué, rêvé ce lieu où tu te réfugies quand Paris t'épuise de gens, de cris et d'exigences? Écoute ce décor d'eau et d'arbres. Ne l'avons-nous pas ensemble combiné? N'est-il pas comme une grande convention que nous nous sommes l'un à l'autre faites? À demi-conscient des temps
qui vont venir. Il fallait ce décor à de mieux voir en moi. Il régnait un parfum de grillons et de menthe. Un silence d'oiseaux frôlait les eaux dormantes où, près des fauchaisons montrant leur sol secret, l'iris jaune trahit l'avance des marais. Ô miroir, où je suis absent à force d'aimer ta présence. Est-ce un crime vraiment de dire ce qu'on voit, partager son amour, chanter, chercher des rimes? Je ne sais pas vraiment ce que l'on veut de moi. Est-ce vraiment, vraiment un crime? Je réclame le droit de croire au lendemain, de croire à la musique, au bonheur, au décor, au grand soleil qui fait aux arbres du chemin danser pour nous des feuilles d'or. Salut à toi, parti, ma famille nouvelle. Salut à toi, parti, mon père désormais. J'entre dans ta demeure où la lumière est belle comme un matin de 1er mai. Juin 1956. Comme un poignard sur mes paupières. Секретарь Центрального комитета Коммунистической партии Советского Союза, товарищ Хрущев. La nuit de Moscou. J'attendais un bonheur aussi grand que la mer, et de l'aube au couchant couleur de la chimère, un amour arraché de ses chaînes impies. Mais la réalité l'entend d'une autre oreille, et c'est à sa façon qu'elle fait ses merveilles. Tant pis pour les rêveurs, tant pis pour l'utopie. On sourira de nous pour le meilleur de l'âme. On sourira de nous d'avoir aimé la flamme au point d'en devenir nous-mêmes l'aliment. Et comme il est facile, après coup, de conclure contre la main brûlée en voyant sa brûlure, on sourira de nous pour notre dévouement. Quoi ? Je me suis trompé 100 000 fois de route. Vous chantez les vertus négatives du doute. Vous vantez les chemins que la prudence suit. Eh bien, j'ai donc perdu ma vie et mes chaussures. Je suis dans le fossé. Je compte mes blessures. Je n'arriverai pas jusqu'au bout de la nuit. Cette cage des mots, il faudra que j'en sorte. Et j'ai le cœur en sang d'en chercher la sortie. Ce monde blanc et noir, où donc en est la porte? Je brûle à ces barreaux mes doigts comme aux orties. Je base avec mes poings ces murs qui m'ont menti. Des mots autour de ma jeunesse morte. Peut-être ne pourra-t-on pas se passer, messieurs les historiens, j'entends, de ces vers, un jour ou l'autre, si l'on veut comprendre le temps où cela fut écrit, et bien sûr des choses, des temps qui ont précédé. La poésie est pour moi l'histoire véritable, celle qui ne saurait être niée. Nous sommes arrivés là-bas et on m'a dit, voilà, tu vas avoir le prix Staline. J'ai refusé. Pendant des semaines, j'ai été dans cette situation étrange là-bas, où on me considérait parce que je refusais ça. Et c'est à mon sujet que tout d'un coup, on a décidé de rappeler le prix de prix Staline en... prix Lénine. Et on a pensé que j'allais accepter. Mais j'ai encore refusé. La situation était très désagréable, bien entendu. Seulement, j'attendais l'arrivée de Maurice Thorez pour lui parler, à la mettre au courant de la situation, de ma situation. Mais écoute, ne me parle pas, ne me dis rien. Je suis au courant, on m'a raconté. Alors je te dis tout de suite la chose. C'est toi qui as raison. Bravo et je te remercie au nom de la France. Tu leur as montré qu'on peut faire n'importe quoi avec un Français. Bien. Mais la chose continue. On suppliait Maurice de me persuader d'accepter le prix Lénine, le premier prix Lénine, n'est-ce pas? Moi, j'étais pas très chaud pour cette histoire, n'est-ce pas? Finalement, au bout de 3 semaines, Maurice est revenu, il m'a dit... Tu sais bien ce qu'on dit chez nous. Il faut savoir se terminer une grève.
Eh bien, je te demande de terminer ta grève, parce que j'ai obtenu des choses qui sont, au point de vue français, beaucoup plus importantes qu'autre chose. Il y aura donc le premier prix Lénine, et il sera donné à un Français et un seul. Et ce sera toi. Tu comprendras que nous te demandions d'accepter. Alors j'ai accepté, bien sûr. Notre tâche est de faire du réalisme socialiste le grand art des temps nouveaux. Et il nous faut savoir viser aussi haut et plus loin, si possible, que la science même. À l'heure où l'homme soviétique le premier a rompu la vieille servitude qui attachait l'homme à la terre et lui disait « Tu ne sortiras point d'ici ». Je me mets toujours dans une colère folle quand on me dit que je suis un écrivain engagé. Je n'ai jamais été engagé. À aucune Saint-Valentin, je ne suis pas un domestique. J'écris ce que je pense et il n'y a pas besoin d'un adjectif nouveau pour exprimer le fait qu'on écrit ce qu'on pense. En fait, je considère les livres, les productions de l'esprit en général, pas seulement les livres, comme des faits. Et je pense que la politique a à s'arranger avec les faits et non pas les faits à se conformer à la politique. Cette littérature engagée dont on me parle m'a l'air d'une littérature très fabriquée. Il m'arrive, je pense à certaines choses, elles me tiennent à cœur, j'en parle, je leur donne figure, elles passent dans les poèmes, dans les romans, c'est une autre affaire. Mais ça n'est pas parce que je me sacrifie, et qu'au lieu de raconter les jolies histoires que j'ai sur les fleurs et les oiseaux pour lesquels j'étais peut-être fait, je décide de remplir mon devoir de citoyen en écrivant. Vos adversaires doivent se dire « Aragon devrait écrire sur les préoccupations qui sont... » Oui, mais ça, je me trouve en face de ce genre de revendications de la part de beaucoup de gens, qui d'ailleurs, lorsque je n'écris pas ce qu'ils considèrent, eux, comme de la littérature engagée, sont absolument indignés par moi. Mais ces braves gens, je leur demanderai simplement d'en avoir fait dans ce domaine autant que moi, et puis après, ils pourront venir me faire des reproches. Quand même. Je te dérange ? Pas du tout. Je viens te mettre là. Justement, tu peux m'aider. Je me suis complètement pris les pieds dans cette affaire-là, dans les épreuves. Évidemment, toi, tu m'aurais aidé. Quand je te demande, je te dérange, tu dis oui. J'écris un poème sur Elsa. Je suis plein du silence assourdissant d'aimer, je suis plein du silence assourdissant d'aimer, je suis plein du silence assourdissant d'aimer, du silence assourdissant d'aimer. En réalité, j'aime qu'on lise mes poèmes, mais je préfère qu'on les chante. Mais tu veux bien quand même nous le lire, s'il te plaît. Donc, c'est la version en noir et blanc. La rose du premier de l'an. Connaissez-vous la rose lune? Connaissez-vous la rose temps? L'autre ressemble autant à l'une que dans le miroir de l'étang, l'une à l'autre se reflétant. Connaissez-vous la rose lune, connaissez-vous la rose temps, l'autre ressemble autant à l'une que dans le miroir de l'étang, l'une à l'autre se reflétant. Connaissez-vous la rose amère, faite de sel et de refus, celle qui fleurit sur la mer, entre le flux et le reflux, comme l'arc après qu'il a plu. On a longtemps cherché à ignorer mon scandale, à le déguiser. Le fou d'Elsa est une revendication de ce scandale. Le scandale de parler d'une femme vivante et la sienne. Ce qui est intolérable, n'est-ce pas? C'est un scandale. Et ce scandale est le mien, à la face des sots, des hypocrites et des sourds.
Pour moi, il n'y a jamais indécence à dire ce qu'on pense. Dire ce qu'on pense, c'est être libre. Ma liberté, c'est de parler d'Elsa. On a toujours mal pris que je parle d'Elsa. Et quand j'ai écrit un poème, enfin qu'on connaît même maintenant qu'on chante, hein, qui s'appelle « Les yeux d'Elsa », tous les gens ont essayé de tourner la chose. Pour eux, c'était les yeux de la France. D'abord, la France n'a pas de yeux. Mais enfin, passons. C'est une chose ridicule de cette époque qu'on peut dire parce que les gens cherchaient partout la contrebande. Mais encore ces jours-ci, j'ai vu un article de quelqu'un qui recommençait la même chose, en très bonne part, en toute naïveté, à expliquer que quand je parlais d'Elsa en 1942, je parlais évidemment de la France. Eh bien non, je parlais d'Elsa. C'est bête à dire et je le répète tout le temps, mais vous comprenez très bien que si maintenant je voulais écrire alors sur un livre d'elle, imaginez-vous ce que cela représente. D'ailleurs, je passe outre aussi dans ce domaine, mais à condition d'être chez moi. Il n'y a pas de journal où je pourrais écrire. Pas même d'hebdomadaire ? Oui, je vois ce que vous voulez dire, parce que j'ai dit, à moins d'être chez moi, si vous croyez que je suis chez moi dans les lèvres françaises, vous vous trompez lourdement. J'ai 63 ans. J'ai 66 ans. J'ai 68 ans. J'ai 70 ans. Qu'est-ce qu'il m'arrive ? Oh là là, ce qu'elle commence à me courir, cette biographie. Au fond, il ne faut pas t'en faire, mon petit vieux, avec ta biographie. Il n'y en a plus pour si longtemps que ça. Comme je dis, que ça. Pour si longtemps que ça. Tu saisis ? Non. Tu es un peu lent du chapeau. Je te dis qu'il n'y en a pas pour si longtemps que ça avec ta biographie. Tu piges ? Tu as dû piger, en juger par ta grimace. Je te jure, une grimace qui en dit long. Ne te regarde pas comme cela dans la glace, dit Fougère. Reste un moment avec nous. L'histoire d'un homme qui a perdu son image, peut-être. Entre nous, l'histoire d'un homme qui a perdu son image est-elle compatible avec le réalisme ? La chose est présentée sous la forme d'une sorte de parabole dans laquelle la chose se passe physiquement, c'est-à-dire qu'il ne se voit plus dans le miroir. Cette modification, il l'attribue à la femme qu'il aime, à la puissance de son chant, puisqu'ici, dans ce livre en tout cas, elle est une cantatrice. Fougère chantait un jour, c'est le nom qu'il lui donne dans l'intimité, chantait un jour, et probablement la force de ce chant a été telle que la conception qui est la sienne à elle l'a emportée sur la conception du personnage qui s'appelle Antoine ou Alfred dans ce livre. Et il s'est donc effacé. Mais l'intervieweur, pourquoi ce titre, La mise à mort ? Peut-être après tout que c'est là le sujet du roman. Quoi ? La vieillesse ? La mort ? Mon Dieu, comme vous me fatiguez. Et pourquoi ne me demandez-vous pas aussi qui est Fougère ? J'avoue, oui, Fougère, c'est Elsa Triolet. Il y aura bientôt 48 ans, le 9 novembre 1918, André Breton m'écrivait une de ses lettres collages dont il avait alors l'habitude. On y lisait, au centre, « Mais Guillaume Apollinaire vient de mourir. » L'autre mercredi, j'ai retrouvé ce bout de papier dans les lettres d'André que je m'étais mis tristement à relire. Impossible ici de dire ce que j'aurais aimé dire de l'ami de ma jeunesse, de ce grand poète que je n'ai jamais cessé d'aimer. Impossible de dire autre chose qu'une phrase qui me rend aveugle à bien des choses. Mais André Breton vient de mourir.
vaut mieux dire les choses clairement. Les lettres françaises sont résolument du parti de la jeunesse, s'il en est un. Et dans le cas présent, se considèrent sans aucune restriction de fait et d'esprit avec les étudiants. Leur cause est la nôtre. Les divergences de méthode ou d'idéologie, dont nous ne méconnaissons pas l'existence, ne sont plus aujourd'hui ce qui vaut qu'on s'y arrête. Je me permettrai pourtant de renvoyer le lecteur, pour terminer ce spécial étudiant, à un texte qui n'est pas inédit, des vers par quoi s'achevait en 1960 mon recueil « Les poètes ». C'est ainsi que je peux montrer la continuité d'une pensée qui ne doit rien à l'improvisation, et la constance marquée d'une certaine conception de la jeunesse et de son rôle. Songez qu'on n'arrête jamais de se battre, et qu'avoir vaincu n'est trois fois rien, et que tout est remis en cause, du moment que l'homme de l'homme est comptable. Nous avons vu faire de grandes choses, mais il y en eut d'épouvantables, car il n'est pas toujours facile de savoir où est le mal, où est le bien. Le drame, il faut savoir y tenir sa partie, et même qu'une voix se taise. Sachez-le, toujours le cœur profond reprend la phrase interrompue, du moment que jusqu'au bout de lui-même, le chanteur a fait ce qu'il a pu. Qu'importe si, chemin faisant, vous allez m'abandonner comme une hypothèse. Je vous laisse à mon tour, comme le danseur qui se lève une dernière fois. Ne lui reprochez pas dans ses yeux s'il trahit déjà ce qu'il porte en lui d'ombre. Je ne peux plus vous faire d'autres cadeaux que ceux de cette lumière sombre. Homme de demain, soufflez sur les charbons. À vous de dire ce que je vois. Et voilà qu'une fin de nuit au transistor, nous avons entendu la condamnation de nos illusions perpétuelles. Que disait-elle, cette voix d'ombre, derrière les rideaux encore fermés du 21 août à l'aube ? Elle disait que l'avenir avait eu lieu, qu'il ne serait plus qu'un recommencement. Cette voix qui depuis ne se tait plus, qui impose d'appeler vertu le crime, qui appelle aide au peuple de Tchécoslovaquie l'intervention brutale par quoi le voilà plongé dans la servitude. Cette voix du mensonge qui prétend parler au nom de ceux qui fut un demi-siècle l'espoir de l'humanité, par les arts et le vocabulaire. Oh mes amis, est-ce que tout est perdu ? Je me refuse à croire qu'il va se faire là-bas un Biafra de l'esprit. Je ne vois pourtant aucune clarté au bout de ce chemin de violence. Mais voyons, quand j'ai entendu à 11h du soir, Elsa m'a réveillé, nous étions dans un hôtel où on la soignait au-dessus du lac Léman. Et elle m'a dit, il faut que tu écoutes ce qui se dit. Et j'ai entendu ça. Et j'ai dit à Elsa, écoute, c'est une histoire, nous ne pouvons rien, nous. Mais le parti peut. Si le parti ne le fait pas, je me tue. Et j'ai dit à Elsa, et je m'excuse devant toi, mais je ne lui donne que 24 heures pour prendre ma décision. Est-ce que c'est une définition possible de l'intellectuel, Aragon ? C'est-à-dire celui qui a des rapports privilégiés avec la direction du parti ? Écoute, vous demandez d'un côté qu'on intervienne pour ne rien faire et n'avoir qu'un obtenu, puis il y a des gens comme moi qui n'interviennent pas à tout bout de champ, mais qui, chaque fois qu'ils ont intervenu, ont obtenu des résultats. Si ça ne vous plaît pas, arrangez-vous. Sombre amour d'orange amère, ma chanson d'écluse, et devant mon quartier d'ombre, où vient rêvant mourir la mer. Si peu de temps pour aller au bout de moi-même et pour crier Dieu. Que je t'aime.
J'ai toute ma vie prêté la plus grande attention aux fleurs inattendues, provocantes souvent, qui sortent de la jeunesse. Je n'ai rien oublié de ce que je fus. Je continue à m'étonner de la prétention de ceux à toute nouveauté qui opposent ces jugements définitifs, dont le seul résultat sera dans l'avenir de les ranger parmi les juges ridicules du passé. La génération d'aujourd'hui qui a de 20 à 30 ans est à mon sens depuis un demi-siècle la plus singulière, la plus attirante que j'ai vue se manifester. Je le dis, j'y insiste. Que demande-t-elle? Je l'ignore. Mais de toutes les forces d'un homme qui sait bien qu'il n'a plus devant lui si longtemps à s'émerveiller, j'attends d'elle plus que je n'ai jamais attendu d'aucune autre. Voilà. Cela peut paraître ridicule. C'est ainsi. Et dites ce que vous voudrez de moi, j'en ai l'habitude. Que je ne suis pas sérieux, par exemple. Vous ne pourriez rien trouver de mieux, rien qui m'aille plus au cœur que cette moquerie, ce mépris même. Je n'ai pas honte de ce que j'aime. Honte soit à qui a honte d'aimer. De quoi je parle? Eh bien oui, de la nouvelle revue de Roland Petit au Casino de Paris, Zizi, je t'aime. Tu viens à Paris, viens voir le défilé. On me dira... Je sais bien ce qu'on me dira, que l'art féodal, que la bourgeoisie, que la décadence, la pourriture occidentale, etc. Mais permettez-moi d'avoir mon idée de l'avenir et partant du socialisme. Imaginez-vous que son triomphe, en France au moins, ne fera pas moins beau l'homme et la femme. Et le plaisir, leur grande affaire. Baissez, baissez les yeux, si cela vous déplaît. On n'est pas libre d'aimer ce qu'on aime. On ne me croit pas quand je dis que j'aime, et pourtant regardez-moi. Je suis peut-être un fou, peut-être un esclave, peut-être un sot, mais je vous le dis. De cette vie, je n'ai appris qu'une chose. J'ai appris à aimer. Et je ne vous souhaite rien d'autre, savoir aimer. On m'a reproché beaucoup en d'autres temps d'avoir écrit un poème qui s'appelle « Il n'y a pas d'amour heureux ». Mais par contre, j'ai écrit une fois un vers qui était, comme je l'ai dit par la suite, le pire cri de détresse qui soit. Le bonheur existe et j'y crois. Alors là-dessus, on s'est cramponné là-dessus. J'ai fait de moi un personnage optimiste. Mais je demande qu'on lise mes livres. Et peut-être que c'est très mal de ne pas être optimiste. Mais alors je suis très mal. Je n'y peux rien. C'est ainsi. Nous vivons dans des temps que je ne considère pas du tout comme des temps exaltants. Et on peut 100 fois aller dans la lune. Les temps que nous traversons sont les temps terribles comme les pires moments du Moyen-Âge. Les gens ont l'air de ne pas le remarquer. Moi, ça me révolte. Je ne vois que l'horreur. On peut me pardonner de l'avoir dit aussi légèrement que je l'ai fait. Parce qu'enfin, il n'y a qu'à pas dire. Mais la sympathie qu'on a pour les hommes dépend de l'importance de leur système pileux. Oui, monsieur.